Ce mercredi 20 septembre, le roi Charles III et son épouse la reine Camilla Parker Bowles sont attendus au château de Versailles pour un dîner d'État. Entre personnalités françaises et anglophones, ce sont plus de 200 personnes qui ont été conviées. Le roi Charles III et la reine Camilla Parker Bowles sont arrivés en France ce mercredi 20 septembre. 200 personnalités françaises et anglophones ont été conviées au dîner d'État. Hugh Grant, Charlotte Gainsbourg, Christine Scott Thomas. Voici les plus beaux looks. Une soirée royale dont se souviendront les invités. Ce mercredi 20 septembre est marqué par l'arrivée du roi Charles III et la reine Camilla Parker Bowles en France. Un jour spécial qui signe leur première visite d'État officielle sur 3 jours. Après une journée chargée, le couple royal, le président de la République Emmanuel Macron et sa femme Brigitte sont attendus au château de Versailles pour un dîner d'État. Et les convives ne manquent pas, acteurs, chanteurs, sportifs et politiques. Plus de 200 personnes ont reçu l'invitation. Hugh Grant, Charlotte Gainsbourg, Emma Mackey, Mick Jagger ou encore Ken Follett sont au rendez-vous. Et bien évidemment, qui dit événement royal, dit look pointilleux. Ce dîner est l'occasion parfaite pour les stars de se faire plaisir vestimentairement parlant. Un défilé de tenues plus élégantes les unes que les autres que l'on s'empresse d'admirer. Les plus beaux looks des stars au dîner d'État. L'ancien footballeur Patrick Vieira a misé sur un costume noir accompagné d'une chemise blanche étincelante et d'un nœud papillon. Tout comme Didier Drogba, Guillaume Gallienne et Hugh Grant. L'acteur est apparu au bras de sa femme, Anna Elisabeth Eberstein, resplendissante dans une robe longue en velours, au col agrémenté de perles, qui épouse parfaitement sa silhouette. Elle porte une paire d'escarpins à bride et une pochette noire matelassée à strass. Pour la soirée, l'actrice Christine Scott Thomas a fait son apparition dans une longue robe bleue marine aux manches évasées et transparentes. Charlotte Gainsbourg, quant à elle, est arrivée dans une robe longue noire moulante et chancrée sur le côté. Carole Bouquet n'est pas passée inaperçue avec sa robe bicolore blanche et noire aux manches bouffantes. Brigitte Macron et Camilla Parker Bowles parfaitement accordés. Emmanuel Macron et le roi Charles III sont parfaitement assortis en costume noir, et ce fut également le cas pour leur compagne. En effet, Camilla Parker Bowles et Brigitte Macron sont aussi accordés en robe de bal marine. Si la reine a préféré une robe cap évasée signée Dior, la première dame s'est tournée vers une création de Louis Vuitton plus un trait à la taille, avec des détails argentés au niveau de la ceinture, du col et des poignets. Simple coïncidence ou choix partagé? Telle est la question que l'on se pose. Just me.